C'est l'heure du bilan en vidéo électromagnétique. Où on en est, les gars et les filles? Eh ben, la semaine de l'E3 est terminée, on va pouvoir se remettre à travailler. Entre deux conférences, j'ai réussi à placer mon dérochage de l'intro du prochain Voxel. On a fait une petite session technique avec Didier de test pour une stabilisation, pour finir cette fameuse intro. À côté de ça, je n'ai rien fait. On peut quand même comptabiliser d'avoir noté tous ces jeux, d'avoir fait mes petites recherches pour vous préparer ce qui va venir la semaine qui vient. À savoir le fameux podcast sur le 3 2015 avec Chica et Simon. Alors je me demande, peut-être on le fait en deux parties parce que ça risque d'être copieux. En même temps, c'est peut-être pas très grave hein, de faire un truc qui dure encore deux heures. C'est un peu l'intérêt d'un podcast, c'est qu'on n'a pas de limite de temps, que finalement on va l'enregistrer en une fois. Alors si c'est pour le couper en deux, balancer une partie et puis deux jours plus tard l'autre, est-ce que c'est vraiment utile? Je me demande. Faut que je termine aussi vraiment l'assemblage de cette intro du Voxel, sachant qu'il y a encore une scène à tourner. Cette semaine ça va peut-être être chaud, mais on devrait pouvoir la filmer la semaine prochaine. Et puis s'il reste du temps les tigres, ça dépend quand on enregistre le podcast. Toute excuse est bonne pour éviter de m'y remettre. Ça c'est, on a bien compris le principe. On verra, je cherche de... Voilà, voyez. Il y a un état qui est celui-là. Si j'ai quand même oublié de vous dire, j'ai balancé la grotte de mai 2015 la semaine précédente. Tout va disparaître, c'est parti. Vous pouvez voter pour votre longueur préférée. Il fallait qu'ils réinventent leur propre vision du terrain de tennis, les gars. Alors, on avait des génies à l'époque, hein, en France. Ce bilan va part dans tous les sens. Bonne semaine à vous. Nikubik revient lundi prochain pour son bilan. Moment gênant.